1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. J'aimerais vous faire remarquer comment Paul, dans ce chapitre de 1 Corinthiens 14, associe le baptême du Saint-Esprit, donc la prière en langue, aux dons spirituels. Comme si le baptême du Saint-Esprit était une sorte de « porte d'entrée » aux autres manifestations du Saint-Esprit. Paul nous invite à rechercher l'amour, mais aussi à aspirer aux dons spirituels. Le terme grec, employé ici, signifie littéralement « convoiter ». Paul nous exhorte à convoiter, à désirer ardemment les dons du Saint-Esprit, à les rechercher avec la soif du cœur, non pas pour nous enorgueillir, mais pour servir les autres. Vous devez le réaliser, les mauvaises convoitises nous amènent au péché, convoiter l'argent, convoiter quelqu'un du sexe opposé, convoiter une position, c'est-à-dire, être prêt à faire même tout ce qui est condamnable pour y parvenir, etc. Mais, il existe aussi une sainte convoitise, une convoitise divine, c'est-à-dire un ardent désir d'être un instrument pour manifester les dons spirituels. Observez attentivement ce que Paul veut mettre en évidence au début du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Il dit en quelque sorte, je traduis de manière amplifiée, le parler en langue est une grâce que vous avez reçue, apprenez à bien vous servir de cet outil très utile, sans en abuser, mais vous ne devez pas vous limiter à cette expérience. En effet, si le parler en langue vous bénit, il faut aussi que vous pensiez à être une bénédiction pour les autres. C'est le rôle des dons spirituels. Paul définissait la volonté de Dieu pour chacun de nous, il voulait persuader les chrétiens de Corinthe d'aller plus loin. Paul était conscient des enjeux de leur bénédiction spirituelle. Grâce à l'exercice de la prière en langue et à l'apprentissage de la prière dans l'esprit, alors ils pourraient s'ouvrir aux dons du Saint-Esprit et devenir une source de bénédiction pour les autres. Rappelez-vous ce que nous avions vu précédemment, lorsque Dieu avait annoncé à Abraham dans Genèse 12, que Dieu ferait de lui une source pour les autres. Genèse 12, 1, 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Le baptême du Saint-Esprit vous donne accès à la prière en langue, si vous en connaissez l'utilité et si vous la pratiquez selon les Écritures et que vous êtes obéissant aux promptitudes de l'Esprit dans la prière, vous deviendrez de plus en plus sensible au Saint-Esprit. Dieu vous utilisera dans les prières dans l'Esprit et vous pourrez franchir l'étape supérieure. Dieu vous donnera de manifester des dons spirituels, afin de bénir les autres. Nous devons, en effet, avoir le désir de manifester les dons spirituels, pour aller plus loin dans notre vie avec Dieu. Certains chrétiens se montrent réfractaires, ils limitent les dons du Saint-Esprit à l'usage strictement réservé aux pasteurs ou à certaines personnes. Ils considèrent comme « chanceux » ceux à qui Dieu accorde des dons. Quant à eux, ils se sentent tenus à l'écart. Mes chers amis, pour ma part, je désire voir beaucoup de chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit manifester les 9 dons du Saint-Esprit. Réalisons-le, nous sommes le corps de Christ. Tout ne repose pas ou ne peut pas reposer sur un ou deux membres, mais Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Alors, dans l'humilité, nous pourrons être des canaux de sa divine puissance. Je n'inclus pas ici l'entrée dans le ministère, nous ne pouvons pas nous-mêmes le désirer et seule l'onction qui est donnée par la volonté souveraine de Dieu authentifie un ministère. Ce dont il est question ici, c'est de devenir un canal de la puissance de Dieu pour bénir les autres, en étant soumis au Saint-Esprit. N'importe quel chrétien, qui a un bon cœur et qui a reçu un enseignement sur le Saint-Esprit, peut devenir ce canal pour accomplir les œuvres de Jésus et les dons de l'Esprit se manifesteront dans sa vie. Des chrétiens vont donner des prophéties sous l'inspiration du Saint-Esprit, d'autres des paroles de connaissance, qui sont des révélations sur des situations passées ou présentes, ou encore des paroles de sagesse, qui dévoilent les plans et les buts de Dieu, donc des événements futurs, etc. Dieu veut agir ainsi, dans son corps, mais, et j'ajoute un « mais », on ne peut pas entrer dans un bâtiment sans passer par la porte. Comment voulez-vous manifester les dons de l'Esprit si vous n'êtes pas en mesure d'entrer dans l'Esprit? Et rappelez-vous,
nous entrons dans l'esprit par la prière en langue. La prière en langue nous introduit dans cette dimension d'où doivent découler la pratique des neuf dons du Saint-Esprit, dont parle Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 12, mais les détails de chaque don demandent une étude approfondie qui ne fait pas l'objet de cet enseignement. Je crois qu'après avoir lu ces quelques lignes, vous êtes prêt maintenant à pratiquer régulièrement, d'une manière équilibrée et scripturaire, ce don merveilleux que vous avez reçu de Jésus lors de votre baptême de l'Esprit, et qui est la prière en langue. Dites simplement, « Père, merci pour ce don merveilleux. Je veux le pratiquer de la meilleure façon possible pour ta gloire, et me rendre disponible pour être un canal de ta puissance. Merci de m'utiliser au nom de Jésus. Amen. »